Yup, 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 mes loulous, c'est tonton Tommy Calais, on va se faire un petit challenge. Sur Isaac Rebels. Alors, le Solar System, je suis pas encore prêt. Mentalement. It's on the cards. Oh, on va falloir jouer avec les cartes à fond. Oui, on verra bien. Les cartes, je les connais pas beaucoup. On dirait que j'ai le deck de cartes. Ça, ça multiplie les items. Et du coup, comment on fait pour changer? Ah. Ok, bon bah. Au niveau de puissance, on est comment? 2 en puissance? Ok, cool. Ah, pas mal de 2. Allez, c'est parti. Ah, je peux le faire 2 fois en plus. Non, ça m'intéresse pas. Hop là. Une petite bombe, pas de rocher marqué. Alors une petite tête de Frankenstein, c'est rigolo. Ouais, ben ça. Parfois, allez, vas-y, monte, monte, monte. Je voulais te la donner. Rocher marqué non plus. Bon, on est fourni dès le début. Peut-être falloir chercher la secrète. Hein. Parce que à gauche, elle pourrait y être. Mais on pourrait pas savoir si j'ouvre pas ici. À gauche, ce serait bon aussi. D'en haut, fais voir ça. Ah, oh, mais je suis pas allé ici. Hein. Je l'ai vu au dernier moment, la bombe sur sa gueule. On a un petit cœur là-bas. Ah non, foiré, on a bien pété la tronche. On a foncé dessus comme un gros pourceau, putain. Le Kinder Surprise. Pourtant, je devrais être habitué. Hein. Mais on pourrait aller voir au magasin, mais j'ai pas de thunes, donc c'est pas cool. Mais bon, ça ouvrirait la porte tout du moins. Parce que là, si on bouge, tout paye. Zermite. Oh, puis merde, on l'utilise. Carte The Fool, ça m'emmène où ça déjà? Je crois que c'est une carte de TP aussi. Ouais. Ok. On va s'y faire, remarque, c'est une bonne méthode pour apprendre comment marche les cartes. Hein. Y'a pas à dire. Et si je fais du coup. Ouais, je suis à une case d'être full pour avoir deux cartes de plus. Tempérance. Je crois que c'est une machine. Pourquoi je suis repassé en vert là? Ne dites pas que j'étais à un truc d'avoir deux cartes.
Ça marcherait comme ça. Ah, attention aux traînées de sang au sol aussi. Oh la vache, mais qu'est-ce que tu veux foutre? Allez! Je pouvais pas rêver pire pour commencer. Je les déteste. Ah putain, le rocher, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Du coup, j'ai été bloqué dans l'élan. Connerie, 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 connerie. Oh la vache. J'ai pas de vitesse, j'ai rien. Et en plus, ah oui, ce personnage-là, ce connard. Il y a même pas de... de salle secrète. Oh, c'est de la merde, ce perso. C'est de la merde. Au secours. À part si j'ai des cartes de zinzin, ça va pas le faire. Hein. Ouais, ça, cette amélioration, elle est bien. Ouais, là. Tu parles d'un début, toi? J'ai même pas été voir la secret, je suis qu'un gros connard. Oh là là. Bon. On se remet dans le jeu, hein. Ça sera peut-être pas la game qu'on va continuer, mais bon. On découvre. Une pièce, youpi, on est riche. Allez. Ah, je les déteste. Quand t'es resté dans un coin, ça va, mais... Si elle fonce dessus, là, t'es mal. Hein. Dans des mouvements, c'est imprévisible. Cool. Petite vitesse de tir, elle fait son taf. À droite. Eh ouais, c'est en biais. C'est en biais. Bon, je suis à une case. Ça, c'est pour passer le niveau, mais on a que de la mouise. On a que de la mouise. Comment il est jouable ce perso? J'essaye de le savoir. Après il va peut-être avoir des tirs cheatés, mais ce sera un minimum. Parce que là sans thune, sans rien, je vois pas comment je pourrais aller loin. Bon là je suis full. Ok, c'est ça. Parage grandi. Ok, je m'énerve de plus en plus. C'est très bien. J'ai presque envie de voir si je dépasse encore une salle, ce que ça fait. Juste une, allez. Ouais, non, ça fait rien de plus. Donc, on fait appel. Attends, je viens de faire apparaître The Tower, c'est ça? The Tower, je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça fait tomber des trucs ou des rochers ou... Bon, en attendant ici, il y a un truc à faire ou pas? À part péter les cacas, il n'y a pas de rocher marqué. On va péter les cacas, allez. Histoire de voir s'il n'y a pas des thunes qui se planquent dedans, au moins. Une petite pièce là, encore une petite pièce s'il vous plaît pour votre bon cœur. On dort. Après, il y a le dessus des cartes, il faudrait que je m'habitue aussi à voir à quoi ça ressemble à chaque fois. Parce que là, du coup, je serais bien tenté. Ah, faut que je les teste les cartes, de toute façon, faut que je les teste. Allez. Et donc, ça a fait quoi? Disons, après, je crois que c'est, ça m'emmène directement au boss, donc aucune utilité ici. Ah, on est bien d'accord.
Bon, alors là, à mon avis, c'est qu'il fallait des ennemis. D'appuyer, je sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'il y a des trucs qui s'opèrent dans les... Bon, y a rien qui change. Ah, mais non, mais là je change de carte avec la gâchette droite maintenant. D'accord, 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 d'accord. Oh là là. Ok, c'est bien ça. Ouais, 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 bah non. Vision. Ouais, ça révèle les secrets, il y en a deux. Ok, pas mal. Bouge pas. Attends, il n'y avait pas un rocher. Pardon. Ouais, ouais, je vais crever là-dessus, va te faire foutre. J'ai pas compris. Je suis rentré, je suis ressorti, j'étais plus dans la même salle. J'ai... Waouh. Truc de fou. J'ai plus qu'un demi-cœur. On avait dit, hein, de toute façon, c'était la run de test. Hein. Poc, poc, poc. Ok, Spock. C'est un rocher marqué, ça. Oh. Un cœur bleu. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Mais bon, on va crever quand même, hein. C'est ça. J'ai pas tout pigé. C'est pas possible, y'a un bug. Il y a eu un bug. J'ai toujours pas de clé, ça c'est ouf. Mais là il n'y a plus les pics. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est au-dessus les pics? Bah non. Bon bah faut que je bute le boss sans me faire toucher. On va utiliser The Empress. C'est lui en plus. Que j'ai l'air d'être devenu bien cheaté. Olé. Chance. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Alors le cœur bleu, la godasse, plus des ranges. À côté de ça, on va prendre le cœur éternel. Voilà. Ça me fera un petit conteneur supplémentaire. Ok. Juste qu'on remplisse notre jauge de cœur. Oh putain. J'ai de l'allonge maintenant aussi. Une bonne allonge jusqu'au. Ah ouais, on fait toute la salle quasiment. Nickel. Alors t'es qui toi? Oh, crédit card. Alors si j'utilise, j'ai des thunes.
Putain, fallait qu'il y ait d'autres thunes dans la pièce. Vos cartes de crédit, c'était peut-être dans un magasin, on pouvait acheter pour rien un truc. Bon, de toute façon, c'est foiré. Oh, bah, si tu veux rester en bas, vas-y, prends-toi la tête dans la gueule. Hein. Je te pisse dessus, là, littéralement. Holy. Il s'est explosé tout seul, comme un grand. Parfait. Mais pas de cœur. Oh mais... C'est le fameux passage pour zapper le niveau. Et non. Non, non, non. On ne zappera pas le niveau. On va fouiller, on va chercher, on trouvera. On espère. Ah, bah dis donc, ma première clé depuis le début. Comme quoi. C'est costaud ces merdes, c'est costaud, c'est costaud, c'est costaud. Pour l'instant j'ai pas de puissance. Mais j'ai un demi-cœur. Ça aurait pu être plus généreux, mais bon. Allez. Alors, à droite on a un magasin. Et notre clé. Et du coup, que dans les champis il y a des trucs cool. Il y a au moins le cœur. Alors, on peut le faire. Souvent, c'est quand même pas mal de trucs intéressants là-dedans. Allez. Ouais. Il y a deux thunes, quoi. Tristesse. Olé. Moins deux. Oh là, c'était proche ça. Ah bah ça va. Ah putain, c'est chaud. Quand on a plus de puissance, quand on n'a pas de puissance. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des thunes, mais faudrait voler. Allez, va te faire foutre. Well, j'ai 6 bombes.
Cherchons la secrète. M'étonnerait pas que ce soit juste à droite et au-dessus. Non, ça peut pas être possible. Ah, ici c'est non aussi. À droite c'est non. Alors plus au-dessus. Ah, peut-être. Ça passerait là. À droite, oui. Oh, ça sent bon quand même. Il y est pas. Ok. Cool. Et avec un peu de chance. Deux cartes. Allez, boum. Mother is watching you. Non, ça c'est une saloperie, je crois. Alors on va attendre d'être dans une pièce avec d'autres pièces, justement. Par contre, mon truc en bas à gauche, là, il me disait que j'allais m'énerver de plus en plus, mais... J'ai pas franchement vu l'énervement, si vous voulez. Donc bon, c'est bizarre. J'ai trois clés, il y a le marchand. On pourrait prendre le cœur bleu. Parce que la carte c'est bon. Ouais, si j'ai Wheel of Fortune, et puis que d'un seul coup ça me donne les thunes directement. Mais bon, j'ai des doutes quand même. Hein. Et l'autre, c'était multiplication d'items. Bon, pour l'instant, on va prendre ça, on va se barrer. C'est toujours un cœur bleu. C'est sûr que le magasin pas foufou. Hein. On va se mentir. Bon ben, c'est vrai que pour l'affronter, c'est pas franchement des cartes bien violentes quoi. Bah tant pis. Ah oui d'accord, ça compte bien. Après je suis vrai que je suis un peu con, j'ai mon deck de cartes que je pourrais voir. Eh ouais, j'étais trop près, puis il y avait sa flèche de piste. Hein. En fait, j'ai l'impression que plus je prends des coups, plus je tape fort. C'est peut-être ça le délire en fait. Parce que les boules, j'ai l'impression qu'elles sont plus grosses, qu'elles font plus mal. C'est pas mal. Le problème juste que j'ai beaucoup plus de cœur. Là, j'allais finir à combien? Ah oui, à 4. Ok. Alors, le pansement plus un demi-cœur, bah, c'est bien ça. Bah, oui, je peux passer, oui, tout va bien. Allez, 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 allez. Je commence à avoir profilé un petit build. Un petit truc cool. J'ai l'impression. Alors là, on va à gauche. Par contre, j'ai mon deck de cartes, faut que j'utilise là. Au secours. Et au petit dernier qui se balade. Oui. J'avais dit, je le fais. Que je me trompe pas. Je me suis trompé.
Je me suis trompé. Two of Diamonds. J'ai l'impression que c'est pour multiplier les thunes, tout ça. Faudrait juste que je trouve une salle avec des thunes. Parce que tu vas voir que tôt ou tard, à mon avis, on va tomber sur une salle d'arcane où on sera bien content de les trouver, les thunes. Ah bah alors là, toi... Au revoir à jamais quoi. Ah oui, lui il est au-dessus. Hein. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Des fois j'essaye vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Qu'une pièce ça vaut pas le coup, toujours pas. Putain d'araignée de merde qui se place au plus mauvais endroit. Au plus mauvais endroit, c'est... Non, c'est... En fait je sais même pas pourquoi j'avance, je suis trop con. Ah, coffre. Demi-cœur, bon. Je suis toujours tendu, hein. C'est chiant, c'est chiant. N'arrive pas à se détendre. Ah. Trois bons. On va y réfléchir. Cette salle est plus du cul. Avant que tu saches où te placer, tu sais pas quoi. Clé, c'est bien. Oh mais la mouche, la putain de mouche de merde. Y a pas d'autre mot, c'est une mouche à merde. Putain. Ah mais c'est ouf, c'est ouf. Bon, faut que j'utilise mon deck. Là ça va plus, je fais n'importe quoi. J'aurais dû utiliser Two of Diamond. T'as une pièce de 5. Ok, Wheel of Fortune, c'est ça. Ah bah tu tombes bien. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, c'est ça qu'on veut. Ah, un truc près. Une carte. The Lovers, ça c'est cool, ça donne de la vie. Hop, je t'appelle tout de suite. Hop, hop. Très bien. C'est quoi? Eh, direct. The Stars. Ok. Et l'autre. The High Princess. Ouais. Allez. Quasiment à fond. Allez, ben on est à fond. C'est nickel.
Oh là là, et plus que de raison. Je suis très con moi aussi depuis tout à l'heure, mais je suis très, je suis tellement con. Ah mais je l'ai plus la carte de toute façon. Ouais, j'ai tellement déconné, j'ai surbrouillé les pinceaux. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Bon, enfin, c'est pas. Ouais. J'aurais tout doublé. Je les aurais pas ramassés. Je l'ai laissé comme ça là. Bon, du coup, je vais peut-être tenter hein, si je retombe dessus. C'est une machine généreuse. Bon, elle l'est plus. Elle l'eût été. Ok. Eh ouais. Secours. Ouais, rien. En même temps. Donc vérification, mais Jera. Ah, abondance. Alors peut-être. Alors peut-être. Donc du coup, pour t'utiliser, passer à droite. Voilà, cool. Bah pour l'instant, on va laisser tout ça. Vu qu'on a déjà doublé. Et on va continuer à fouiller. J'ai eu de la chatte qui part à gauche là. Comme quoi ça peut arriver des fois. Allez, dégomme-moi la petite là, merci. Ah, les emmerdeurs. Alors, le rouge c'est du cœur en plus, hein, qu'il va me donner lui. Et il s'agit de décrypter aussi au fur et à mesure du temps. Si vous tuez un bestiau qui a une couleur particulière, noir c'est une clé, jaune c'est de la thune, et rouge normalement, voilà, c'est de la vie. Mais ils sont plus costauds. Hein. Bon, j'ai qu'un demi-cœur de retirer, donc on va attendre. Bon, ça va peut-être pas traîner, remarque. Voilà, à preuve. Quand on n'a pas de puissance. Par contre là j'ai pris un coup, je suis pas content, hein. Boom. Ça tape fort. Ouais, on remonte à 4 direct, ça c'est excellentissime. Mais vraiment. Du coup. Hop là, j'ai pas vu le petit sol là. Le petit trou. Le petit trou, le petit trou. Comptez, ils vont pas me refaire une run comme la dernière fois, me foutre que des clés en récompense, s'il vous plaît. Fais bien la merde. Oulée. Tiens mon deck de cartes, je peux l'utiliser. The High Priestess. Je sais plus. Je m'embrouille, Il va falloir que je me fasse un pense-bête. Hein. Au secours. Alors oui, j'ai 10 clés, je pourrais aller voir. J'ai bien fait. Oui, c'est des thunes.
dommage. Pardon, c'était quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Putain, si j'avais la carte multiplicateur là. Ah bordel. C'était pour ça que c'est pour ce genre de pièce que je voulais. Et en plus c'est deux cartes que je vois pas parce que c'est. Je ne vois point, je ne vois point. Il a des yeux mais il ne voit rien. Bon bah écoute, on est reparti à jouer hein. Ah j'aurais peut-être dû attendre parce que si je tombais par hasard sur la carte qu'il me fallait. Oh. The Hermit. Ah bah non. On s'en fout pas mal hein. Ah mais Mother is watching you, ça j'en veux pas de cette carte. Oh bien. En bombe on est bien, en clé on est bien. Et une petite mouche qui vient me protéger, allez bienvenue toi. Le petit cadeau empoisonné pour finir. Bon bah vu qu'on va se barrer. Ah quoi que attends. En dessous ça me semble compliqué pour une pièce secrète. Ah c'était quoi ça? Ouais c'est la même. À gauche c'est faisable. Et là c'est faisable. C'est long. Alors, ici à gauche comme à droite, c'est mort, donc on va pas aller voir là. Dans le en dessous du shop, c'était comment? Parce que souvent, c'est quand même près du shop. Hein. Ah! Attends, attends, voir. Ah bien sûr, dans le shop, c'est bon. Mais à gauche, c'est pas bon. C'est non. À droite non plus. En haut c'est non. Ok. Là le coin il y a vraiment que chi. Donc au-dessus on a vérifié, c'est pourri aussi. Alors qu'est-ce qui me resterait? Là juste à gauche là. Là c'est faisable. Ah j'ai dit bon mais on peut se faire ça. Allez. Voilà. The World, ouais ça me permet de voir tout ce qu'il y a dans la pièce. Et ça c'est quoi? Force. Ah, je me mets force, plus mon item en bas à gauche, là, c'est cool. Et là The Star, vu que je la connais pas, on va prendre The World. Je suis obligé de faire ça. Merci. The World est de la force. Ça me plaît. Donc à gauche. Ah oui mais attends, j'ai quand même d'autres champis. Hein. J'ai beaucoup de bombes. Hein. Et voilà, et voilà, et voilà. Mother is fresh. Décidément la Mother. Et là t'es mon Joker. Utiliser la Joker pour voir ce que ça donne. Ah c'est une téléporte. Oh. Oh. Oh 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 oh. Je crois qu'il est bien celui-là. Tant pis je perds un cœur hein. Oh oui il tire avec moi et tout. Oh ouais c'est bien. Génial. Trop trop cool. On emballe. Alors, du coup, je reviens à la directe.
Wyrm, c'est sûr que si j'utilise l'un, j'aurai tout de suite les deux points d'interrogation. S'il y en a deux. Il n'y en a qu'un. Tant pis. Hein. Eh ben allez, trois nouvelles petites pièces. Par contre, il y a la salle sacrificielle et on a un cœur à droite. Est-ce que c'est un gros cœur? Ou un petit cœur de belin. Ah, j'en ai deux. Et en plus, j'ai encore trois piécettes. Je reviens. Donc, on peut faire un petit sacrifice là au-dessus, là. La salle sacrificielle. Oh. Ok. Un cœur bleu. Deux bombes. Que j'ai même pas besoin de dépenser. Ma bombe à moi. Bon, c'est un cœur bleu qui va prendre un petit coup aussi. Désolé mon pépère. À peine je te prends que je te fais mal. Bon, on a un pote. C'est cool. Regardez The Star. On l'utilisera sur le niveau suivant. Le cœur. Ça c'était quoi? The Hermit. Ouais. Je vais plutôt garder ça. On utilise nos trois petites pièces pour voir. Allez, encore un peu de chance s'il vous plaît. Oh bah ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Ça me remet au début du niveau, bof. Bof. Hein. Bon ben, adieu la machine. Boum. Et au-dessus, je crois que c'était une carte merdique aussi. Ouais. Bon ben, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est pas fou l'extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. Allez. Oh putain, je l'ai vu. Et encore des cœurs. Allez, je reprends. Un petit HP up. String, ouais, ça fait très mal. Je suis monté à combien? Je suis remonté à 4. Sans compter que si je me fais. Ouais, je me suis fait toucher une fois en plus, ouais. Ça l'a défoncé. Ouais, le mélange est bon. Et quand le mélange est bon, je dis c'est tout bon. Putain, il restait rien. C'est cool, ça va me charger pour mes cartes, ça je vais revenir. I'll be back ma couille. Les petites salles d'abord. D'abord les petites. Alors, on commence petit. Bon, plus tard. Allez. Enfin, le temps que je mets à les buter, au secours. Mais non, il apparaît devant moi, je l'ai pas vu. C'était sur ma trajectoire, enfoiré. Vous me donnez rien. Vous me donnez rien, donc je vais aller chercher moi-même. Allez, la grosse salle, hein, même pas peur. J'ai de la range, donc on va pas s'emmerder.
Putain, pourquoi je reste sur sa trajectoire? Je sais qu'il peut venir jusque là. J'ai combien de bombes? J'en ai 6. Les crânes, ce sera en dernier recours. Mais ça peut toujours être intéressant, les crânes, ouais. Préféré cela aussi, je suis obligé de me prendre un coup, vas-y adieu. En fait, faut que j'utilise mon deck de cartes maintenant. Ce chariot. Invincible pendant, pendant une petite période. Contre un boss, ça peut être très très cool. C'était long. Par contre, oui, le rocher marqué, ça, ça se prend. Et oh oui. Ouais. Il faudrait que j'ai une carte. Une carte qui me booste tout ça. Du coup, est-ce que je fais les salles ou est-ce que je vais prendre la batterie tout de suite? Ouais, je vais prendre la batterie, je vais faire apparaître une carte. Allez, faut qu'on se mette dans le mood. Alors, qu'est-ce que ça va naître? La mort. Ouais, on peut la garder puis l'utiliser sur un petit groupe bien chiant. Oh bah tiens, allez hop. Ou je vous aime pas. C'était pour un demi-cœur, hein, mais ça se prend. Je reprends The Stars. On peut se faire un peu de thune. On peut se faire un peu de thune, il y a quelques cœurs dans le coin. Mais il y a un truc sacrificiel aussi. C'est dur. On va réfléchir à tout cela. Ah, c'est le gros essaim de mouche. Normalement, ça, c'est pas trop compliqué, ça. À faire péter dans les parages, si le crâne là. Est-ce que tu reviendrais par la pépette? Ouais, c'était propre, mais ça a servi à rien. Dommage, la récompense aurait été belle. Ah oui, lui il a le tir au Ming, mais il est plus, il est déjà parti. Ah la flaque, je connaissais pas. Je me rappelais plus. Bon, bah je vais faire plus mal. La patoune, c'est non, je préfère largement mon bout de tissu. Je le garde, mon bout de tissu. Ah, attention la papate. Ah, je m'étais dit que si ça se trouve, tu sais, ça écraserait le rocher. Bon. Ça ne marche pas comme ça, eh ben, je vais te plaquer la tête. Hein. Gauche, droite, droite, gauche. Un petit cœur pour une clé. Pourquoi pas?
J'ai dit clé, on peut se permettre. Eh ben allez. On est à donc. Comme dire l'autre, mais à quoi sert cette salle? Ça va pas nous faire dépenser un petit peu de bombes pour récupérer des trucs. Ah, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Ah, je l'ai pas vu celui de droite. Celui de droite de merde. Oh là 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 là. Tellement chaud. Vous m'aurez quand vous voulez. Putain, là je vais être très énervé là. J'ai trop perdu. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Là on a deux crânes. Cette bombe. Parce que là si je le mets là, ça pourrait tout faire péter, peut-être. Possible, possible, possible. Eh. Et voilà, il n'y a qu'un connard. Ah, soyez plus généreux. Bonsoir, bonsoir. Après j'ai la carte The Stars, plus une autre carte que je peux avoir. On va peut-être commencer, ouais. A voir. Parce que là je peux me récupérer, on va se récupérer un demi-cœur, même si c'est qu'un demi-cœur, on prend. Allez, allez, allez. Oh là là. Potentiellement dangereux. Allez. Elle crève, 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 crève. C'est bon. Si seulement je pouvais être l'ami des caca quand je suis contre eux là. Retrouve avec une myriade de potes. Ah oui. C'est pas très très cool. Olé, olé, olé. Comment il s'est décalé au dernier moment, enfoiré. Putain, j'arrive pas à en avoir un dans la bonne ligne de mire. Et ouais, donc je tire dessus, en plus il se met de côté, donc c'est mort. Ah ouais, il est quand même. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, encore un. Quand il est lancé dans les longs, après c'est plus simple. Hop, 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 j'ai chopé la batterie, voilà, si ça va, ça passe. Du coup, allez, c'est parti pour un petit peu de cartes, là. Après, oui, je peux aussi récupérer toutes les bombes. Oh, au passage. Et en plus, je trouve la secrète par hasard. C'est parfait. Attends, mon poteau. Première carte, The Stars, on tente. May you find what you desire. C'est une téléporte, ça je m'en doutais. Et c'est de la merde. Bon, par contre, il y avait un demi-cœur ici qu'on va s'empêcher de choper. Merci. Et un autre cœur en bas à gauche. Oui, en plus, ça c'était un cœur entier. Attends, utilisons nos cartes ici. The Hermit. Ok. Niette. C'est pas top.
Oh pied merde, j'arrête de cogiter. Allez. Ouf. Zou 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 zou. J'ai 9 bombes par contre. Il y a des crânes ici. Allez, on y va. Petit cœur noir. Un petit cœur noir. Une carte. Allez, une carte. Mais non. C'est non, c'est non. 10 000 fois non. Je vous déteste. Alors pourquoi j'avais besoin des cœurs juste en dessous là, je me rappelle plus. Ah oui. La machine que je pourrais faire péter et exploser. Hein. Parce que là, j'ai pas assez de cœurs vraiment pour m'amuser. Ouais, après c'est le boss cash. J'ai pas franchement de truc ouais pour changer quoi que ce soit. Donc on l'a fait péter. Allez, adios, tu m'en prends, ça servira à rien. Ah, il y avait une petite pièce que j'avais pas vue, une petite pièce ici. J'ai eu peur. Ouais, non, ça sert à rien. Ça fait péter une bombe pour en récupérer qu'une. S'il y avait une bombe ici aussi. Ah, mais c'est même deux bombes. Ah oui. On optimise, on optimise. Et 2 bits, hein, parfait. Bon, bah, here we go. Quoique j'ai 10 clés, on pourrait les voir quand même là-haut. Enfin, c'est en appuyant The Hermit, je crois que c'est ça en plus. Ouais, exactement. Alors, on pourrait prendre le cœur bleu. En effet. Parce que la batterie, bah non, je suis quasiment à fond, ça serait bien dommage. Ça aussi, c'est dommage. Allez. C'est pour la c'est point grave. J'ai juste chariot. Ça devrait bien se passer. Bourriner la tête direct. Ah, retombe, retombe, retombe. Ouais, ouais, j'aurais pas dû rester aussi longtemps, mais bon, c'était tentant. Après, un coup, c'est pas grave, parce que du coup, ça nous booste en puissance. Olé, olé, olé. Ah oui, j'y pense pas. Allez, allez. Ok, je suis à fond et je reprends de la vie. Par contre, en puissance, s'il vous plaît, c'est pas le truc du perso, c'est ça? Faut vraiment que j'ai des cartes spéciales et tout? C'est dur. Bon, bah, de toute façon, là, on est à 1 heure de vidéo, déjà. Déjà, déjà, déjà. Donc, pour voir la suite, eh ben, faudra aller sur une autre. Allez, tchuss!